Martinique, c'est au quartier Fouache Robert que s'est déroulée la finale de la 29e édition du tournoi Open qui a débuté le 24 janvier dernier et a fêté ses 30 ans d'existence du club. Pour le verdict est tombé sur la finale qui a débuté avec le club Fitness Tennis sous la houlette de la doyenne Martine Fibleuil. En présence du maire de la ville du Robert, Farrell François Augrain, le responsable des sports, de Madame Josette Manin de la collectivité territoriale de Martinique, des membres du comité de tournoi et tous les autres clubs invités, suivi de la remise des prix et le gâteau des 30 ans. Toujours, c'est Stéphanie Surélie, classée 15 du tennis club de La Plaine au Lamantin, qui remporte cette 29e édition en 2-7, 6-3, 7-5, devant Émilie Rosemont, classée 15 du Conti Club de Chenchère. Dans le tableau final Open simple messieurs, Frédéric Fibler, classé 2-6, n'a pas fait de détails, 1-6-2, et remporte cette 29e édition 2024 face à Hugo Bans, classé 3-6 du même club, le tennis club municipal du Robert. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. Je dirais, mais on arrive aujourd'hui à la 33e journée du tournoi pour le tennis club, en tous les cas, 5 jours de plus pour le juge arbitre, qui donc en est à son 38e jour de tournoi sur l'année 2024. Alors, premier, Gilbert Claudon, qui devrait être avec nous ce soir, mais je ne l'ai pas vu, pas bien grave. En deuxième, Robert Pideri, qui a œuvré de 95 à 96. Ensuite, Alain Saint-Fort, de 96 à 99. Ensuite, Yvon Fibleuil, de 99 à 2009. Nous avons enchaîné avec Yolaine Lusbeck de 2009 à 2012. Merci Yolaine. Pas la peine pour le petit discours. Peut-être qu'il y a autre chose. Ensuite, Georges Belmar. Et Suzy Madère. Merci à tous les participants. Donc il y a eu plus de 38 jours de tournoi, il a plu quelques fois, il a fallu reporter des matchs, il a fallu... C'était vraiment... Il fallait jongler, on a pu arriver ce soir. Présents ici ce soir et particulièrement celles et ceux qui nous ont permis en tout cas d'être présents. Je veux parler des femmes qui ont joué ce soir, mais également les messieurs qui nous ont permis de, qui nous ont en tout cas gratifié d'un spectacle de haut niveau. En tout cas, je veux remercier toute l'équipe en tout cas du tennis club du Robert, messieurs, dames. Hein, particulièrement important qu'une femme soit en mesure de diriger autant d'hommes. Hein, donc ça, c'est une des qualités que j'apprécie particulièrement chez les dames et qui leur permet en plus de se bonifier. Donc on ne peut qu'être fier, je veux dire, d'appartenir encore une fois à cette ville et particulièrement après ce qu'on a pu voir et ce qu'on voit. Combien il est, je dirais, ce tournoi mené de main de maître ou de maîtresse. Je vous remercie et je suis, comme je vous l'ai dit, très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci au journal du Robert et mon collègue Nathanaël. Je ne sais pas s'il peut. Oui, il peut dire deux mots, il n'y a pas de souci, Nathanaël. Donc c'est mon collègue qui est chargé du sport. Donc je vous permets à votre nom, Madame la Présidente, de. Ils disent deux mots, tout simplement. Je tiens à féliciter toute l'équipe que j'ai rencontrée d'ailleurs assez récemment pour leur travail.
Je me suis engagé en tant qu'élu au sport à faciliter un certain nombre de choses, alors je ne manquerai pas à ma parole. Et puis devant ce parterre de sportifs, de parents qui accompagnent les enfants, les jeunes et les moins jeunes, eh bien, je vous remercie pour tout ce travail que vous effectuez. De votre club, il n'y a pas à dire, vous participez au dynamisme de la Ligue. Effectivement, on a un regain de licence, donc, et vous êtes grandement associé à cela. Et 30 ans, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de magnifique que vous avez réussi à pérenniser. Tous les bénévoles qui, au fur et à mesure, se sont succédés pour construire aujourd'hui ce club. Bon, nous, on peut être contents et fiers d'avoir un club aussi dynamique que vous, Yvon. Et Suzy maintenant avec la petite touchée féminine Thierry Rose, donc ça, cette année ça a été sympa. Mais bon, ça plaît et ça donne envie de jouer d'ailleurs quand on voit la Thierry refait comme ça. Donc vraiment félicitations à vous parce qu'effectivement chaque année on découvre une petite amélioration. On sait que les moyens ne sont pas évidents, mais on essaie de vous accompagner au mieux. Mais c'est vrai que vous vous battez pour ça et je sais que la collectivité aussi bien territorialement, mais la ville notamment est à vos côtés, donc ça c'est important. C'est un club aussi, il faut le noter, un club formateur. On a trois petits jeunes à l'heure actuelle qui sont peut-être les futurs pépites de notre tennis. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Vous savez, l'avantage de parler parmi les derniers, c'est qu'on n'a plus rien à dire. Donc, je veux vous saluer. C'est vrai que je suis arrivé juste pour le dernier match, le match des hommes. J'ai eu un excellent match. J'ai vu, j'ai envie de dire, de grands sportifs. Je les félicite. J'espère que c'est l'image du club, parce que j'ai entendu que des éloges, et je regrette que je ne sois invité que cette année. Non, je suis heureuse d'être là, au nom de la collectivité territoriale, au nom du président. C'est vrai que depuis que j'ai pris mes fonctions en tant que responsable des sports et de la vie associative, je me promène un petit peu tous les week-ends entre le football, la natation, le basket, le handball, et j'en passe. Et puis je suis contente quand il y a du tennis, n'est-ce pas, monsieur Grandjean? C'est vrai que je ne viens pas souvent, mais bon, voilà, je suis venu, je vais au Lamentin puisque c'est pas loin de chez moi. J'ai eu l'occasion d'aller au Diamant, voilà. Et c'est vrai qu'ici, je n'ai pas la tête qui tourne, parce que je suis en face. Voilà. Donc c'était une histoire de famille, joli couple. Je ne vois pas le bébé. Je fais pas de photo, président. Ah ben oui, ben oui. On est passé à une autre dimension. Avec un doigt, t'as gagné, dis-le. Pardon ? Avec un doigt, t'as gagné. À deux fois. Oui. Jean Bernard va aller au mettre la coupe. Je suis changé. Bravo. Changé là. Merci d'écouter là. On ne voit rien nous dire là. Mais merci d'écouter là. Pas non. Et on appelle le grand. Ok, merci Jérôme, un petit mot. Merci à tout le monde et puis vive les lieux. Merci à Grand Carré et le passage de Martinique. Puis on est par. Et échec. Jean-Lou, oui. Le club est échec. Non, son club est échec. De l'essor. Vas-y, regarde. Reste là. Merci.
Ok, donc bravo. Ok, bravo à vous mesdames. Félicitations. Alors, monsieur le maire. Et puis celle qui a gagné le tournoi. Qui sera en vice par Violette. Merci David, mais toi de vous cela. Et le grand vainqueur du TC Trinité, monsieur Clément Sayag. Il n'est pas là. Bah, tu fais la photo tout seul. Hein. Toi là. Oui, oui, oui. C'est pas bon, il va goûter, mais mets-toi là. Ok, c'est bon pour moi. Hé, là, bon. On a déjà parlé première fois. Ah oui. Il sera remis par madame la présidente. Frédéric Fibleul. On appelle Joseph Alain. Madame Alain. Un petit photo de famille, voilà. Président. Côté, merci. Mais bon, c'est famille, mais quoi? Ok, merci. On va faire pour la et le avant et le après. Admiralty. Say, say, belong, 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 belong.